déception, forcément. Voilà, après une série de victoires, même si on s'attendait à un match difficile ici à Sochaux, au Stade Bonal, avec face à une équipe où on avait identifié des armes offensives. Mais voilà, je pense qu'on a... On leur a facilité la tâche en faisant des cadeaux ce soir. On avait demandé de passer par les côtés et d'éviter l'axe et la densité. Ce qui avait été prévu et est arrivé. Et pourtant, on a alerté les joueurs, les avoir avertis. Et on donne des buts un peu similaires, voilà, sur notamment le deuxième ou troisième, où des ballons forcés plein axe, où les espaces sont réduits, où on favorise la récupération de l'adversaire. Et puis derrière, on est ouvert et en danger. Donc voilà, sur chaque transition, ils nous ont fait mal. Mais oui, c'est ça qui est d'autant plus frustrant, où on se dit que si on avait été plus vigilant et qu'on n'avait pas fait ces offrandes, voilà. Une fois, ça peut arriver. Après, c'est encore plus frustrant quand on répète ses erreurs. Maintenant, voilà, j'espère que ça va nous servir. Il y a peut-être eu aussi un peu de relâchement, d'homéostasie après 5 victoires consécutives. Oui, parce que la réaction était attendue. C'est vrai que quand on a quitté le Stade Bonal à l'issue du match contre Villefranche, on avait tous à cœur de goûter à la victoire sur ce match-là. On savait que c'était un défi parce que l'équipe de Orléans est en pleine confiance, que nous on avait des choses à régler en très peu de temps, qu'on est aussi, j'occulte pas le nombre de matchs qu'on a joué, on le voit, c'est parfois dur pour certains physiquement. On a des jeunes joueurs qui ont enchaîné beaucoup beaucoup de matchs et ça commence à tirer. Voilà, ce soir c'est une grosse satisfaction parce qu'on a su être un peu plus efficace, même si on a encore beaucoup d'occasions. Et on a dégagé beaucoup plus d'envie de défendre, de consistance, malgré des alertes, mais j'ai trouvé qu'on a mis un peu plus d'engagement. Ce que je dis aux joueurs, c'est que nous, notre force, c'est plutôt d'aller mettre des buts que de jouer comme des épiciers et d'attendre, parce qu'on ne sait pas le faire. Et voilà, j'espère qu'on va apprendre aussi à le faire. Mais quasiment à tous les matchs, sans exagérer, je me dis tout le temps, même la semaine dernière, on a mis 3, on aurait pu en mettre 6. Il y a souvent des scénarios de match où, avec un tout petit peu plus de réussite ou de justesse, on peut mettre 4-5 buts par match. Donc il faut garder ça. J'avais un peu tensé aussi les joueurs sur l'aspect individualisme. Je trouvais que les joueurs manquaient parfois d'esprit collectif sur la zone de finition, notamment quand on était devant au score. Et là, ce soir, ils ont répondu à nos attentes et aux questions qu'on pouvait se poser. Sans doute que non, parce que les équipes ont aussi essayé de trouver la parade, mais... Je crois que le caractère et l'ADN d'une équipe est offensive, il ne faut pas la freiner. Il y a forcément des moments où ça sera dur, mais on va continuer de vouloir. Une bonne équipe, c'est une équipe qui sait aussi attaquer, qui sait aussi défendre, qui est consistante. Parce que plus on sera fort défensivement, plus on aura des possibilités de marquer. Parce que ça dégagera de la confiance dans l'ensemble de l'équipe. Je vais pas parler du deuxième but parce qu'il est dévié et que je trouve que c'est... voilà, donc je trouve que ce deuxième but-là est trop. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a eu de la volonté de préserver la cage. Après, à 3-0, j'ai pas aimé notre gestion de la fin de la mi-temps. Parce que justement, on était dans une gestion. Et nous, le mot gestion, on confond avec arrêter de jouer. Et on ne sait pas s'arrêter de jouer. On a besoin, on est jeune, on a besoin d'être entreprenant. Je préfère encore qu'on prenne un but parce qu'on a trop joué. Que de se dire, allez, on va essayer de préserver, c'est la fin de la mi-temps. Parce que la preuve, dès qu'on fait ça, on a toujours une. On en prend toujours un. Mais globalement, j'ai trouvé de mon banc que l'équipe avait dégagé plus de force dans les duels. Mais pour nous, c'est un combat de tous les jours, c'est pas naturel. On a vraiment, vraiment besoin de toujours mettre le curseur là-dessus, parce que si on relâche ne serait-ce que de 1% cette envie de défendre ensemble, on sera exposé. Ça va, mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'on pourrait en avoir quelques-uns de plus. Mais on va pas. Ce soir, on va surtout se dire que notre série d'invincibilité. Et comment prolonger d'une unité avec une victoire, parce que les séries d'invincibilité avec des nuls, ça sert pas à grand chose. Ce soir, c'est avec une victoire de plus qu'on avance. Donc ça, c'est bien pour la confiance. Ce groupe, je le répète, il est en construction. Il faut aussi parfois
passé par des épreuves et des moments plus délicats dans la construction de nos matchs. On a plein de choses qu'on ne fait pas encore très bien. Ce que je veux voir, c'est toujours cette envie de progresser, d'avoir une approche collective du projet. Le club et l'équipe est plus important que n'importe lequel des joueurs et du coach. C'est, ce qui compte, c'est comment on va remettre le club sur le devant de la scène, et c'est un labeur de tous les jours, et on doit travailler dans cette direction-là, et tout le monde prendra sa part de plaisir si on le fait. Ouais, on a on voit un peu le bout. C'est plaisant de jouer, on aime ça, mais c'est vrai que ça enlève aussi parfois une forme de fraîcheur, de plaisir de venir au stade quand c'est tout le temps, ne serait-ce que les causeries d'avant-match, les mises au vert, les confs, enfin tout se répète tout le temps, même pour vous. Et c'est vrai que ça enlève un peu de fraîcheur, mais c'est bien de conclure. Il faut qu'on aille maintenant passer ce tour, puis qu'on se projette sur une fin d'année civile avec un match par semaine, ce qui va être bien pour nous tous. Et voilà, puis merci à nos supporters qui viennent en semaine à un sort de Champions League. Ils ont prouvé qu'ils aimaient plus le FC Sochaux que la Champions League. Et leur club a encore une ambiance magnifique. Et il y avait des gens qui me disaient qu'il y aura moins de monde, mais je ne sais pas s'il y a moins de monde, en tout cas ça se voyait pas, il y avait autant de monde en tout cas.